Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Montréal. Tout d'abord, merci aux organisateurs de la Conférence de Montréal de mettre de l'avant une thématique aussi pertinente que l'économie circulaire, un vecteur de développement économique et de l'urgente transition verte que nous avons besoin. À la Ville de Montréal, nous sommes convaincus que les municipalités doivent agir comme catalyseur principal de cette transition. C'est dans les villes où la plupart des connaissances et des innovations se matérialisent, mais aussi là où la plupart des consommations de ressources a lieu. Ceci place les gouvernements locaux en première ligne de responsabilité pour développer des outils et favoriser le développement durable, dont fait partie l'économie circulaire. Montréal prend cette responsabilité très au sérieux et place l'économie circulaire comme l'un de ses principaux outils pour décarboniser son économie. Rappelons que nous avons l'objectif de devenir une ville carboneutre d'ici 2050 et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Une feuille de route en économie circulaire est d'ailleurs en développement afin de répondre à cet objectif. En posant des gestes durables et en mobilisant concrètement les entreprises et les citoyens, nous pourrons accélérer le virage qui est nécessaire pour une économie plus verte et plus inclusive. L'économie circulaire se trouve au cœur de nos exercices de planification stratégique et plusieurs secteurs économiques seront particulièrement mis à contribution, tels que les transports, la mobilité, le secteur bioalimentaire, les matières résiduelles, les bâtiments et la logistique urbaine. Nous travaillons activement au développement de politiques et d'actions concrètes que vous pourrez notamment les découvrir sur une plateforme montrealcirculaire.org lancée récemment pour centraliser toutes ces informations et les initiatives en cours. Pour n'en nommer que quelques-uns, on peut mentionner la mise en place du premier fonds d'investissement spécialisé en économie circulaire au Canada, le Fonds Économie circulaire de Fonds d'Action. La Ville a aussi adopté des règlements favorisant l'économie circulaire, comme le règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique. Et en parallèle, nous menons des études pour mesurer les actions ayant le plus d'impact. Pour les municipalités, prendre les devants dans une transition écologique implique aussi une collaboration avec les entreprises, avec les OBNL, les centres de recherche, les institutions de recherche et les citoyens. Les villes soutiennent les acteurs de la société civile et les acteurs économiques dans leur transition. Nous croyons d'ailleurs fermement que la transition écologique arrivera par la transition économique. L'économie circulaire est clairement une voie réfléchie derrière la reprise économique que nous vivons actuellement à Montréal, dans un objectif visé d'une société durable, une société prospère et juste pour les générations à venir. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent panel. Merci. Merci, merci. Vous m'entendez bien? Merci Valérie. On a parlé de transition. Moi, j'ai envie de parler de transformation, transformation économique, transformation écologique, en fait, parce que c'est vraiment l'économie circulaire, c'est un challenge, un défi d'interdépendance. Et puis, la Ville de Montréal fait beaucoup, mais on a bien besoin de tous les acteurs de l'industrie, les acteurs socio-économiques pour se joindre à ça. Il y a parmi nous, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Daniel Normandin, et il se fait des belles choses au Québec en matière de recherche, vraiment, à Montréal. Ça vaut la peine de regarder ce qui se fait, parce qu'on a besoin vraiment de voir quels sont les défis, disons, de l'innovation dans l'économie circulaire pour pouvoir les implémenter le plus rapidement possible. On n'a plus le temps, on n'a plus le luxe du temps, donc il faut s'y mettre. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous aussi chez CIC Capital. On pense que la transformation doit passer par l'intégration et le déploiement massif de technologies. On a lancé un fonds en innovation circulaire en collaboration avec L'Oréal et d'autres partenaires industriels mondiaux. Donc, et puis, ben, avec moi aujourd'hui, on a sur place et en ligne des participants très actifs et très concrets de cette nouvelle économie-là. Je vous les présente. On commence ici à ma gauche avec Jean-Luc Lavergne, donc fondateur et président général du groupe Lavergne. Je vais y aller brièvement, puis après ça, je vais vous demander de vous présenter pour me donner des exemples concrètement de projets sur lesquels vous travaillez sur cette thématique-là. Julie Poitras Saunier, présidente directrice générale de Loop Mission. On a probablement un peu plus tard Jocelyn Blériot, qui est directeur général d'institutions et gouvernement à la Fondation Ellen MacArthur. Le voilà sur l'autre écran. Je ne le voyais pas. Bonjour, Jocelyn. On a Oriana Romano également, chef d'unité gouvernance de l'eau et économie circulaire, Centre de l'entrepreneuriat PME, Ville et Régions à l'OCDE. Je commencerai d'abord, par vous poser une question très générale. Vous présentez brièvement votre entreprise, vos organisations. Me donner un exemple de projet d'économie circulaire sur lequel vous travaillez. Non, mais en fait, nous, on est dans le domaine du recyclage de plastique. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend le plastique circulaire. Des produits de fin de vie comme ordinateur, télévision, des choses comme ça, on les prend, on les décontamine et on les reformule pour aller dans les applications qui, normalement, seraient faites avec de la matière vierge. On a une usine ici à Montréal, on en a une au Vietnam, une en Belgique et une en Haïti. Haïti, c'est particulier, c'est que là, on ramasse le plastique, ce qu'on appelle en anglais le ocean-bound plastic, un peu spécial avec une mission assez sociale. Donc, pour nous, le côté circulaire, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Même notre sigle démontre qu'on est la boucle manquante dans les plastiques de fin de vie. Souvent, il n'y a pas d'application qui réussit à prendre le plastique puis de le rendre conforme à des applications similaires. Donc, pour nous, exemple très simple, on en a plusieurs, là, parce que des clients avec qui on travaille, ça peut être le produit de fin de vie d'un client X ou d'un fournisseur qui avait mis ça sur le marché. Et puis, ce produit-là va servir à faire un produit, par exemple, chez Keurig, qui vont faire des machines, des cafetières, ou chez Cisco, des téléphones. Ou on va encore plus en circularité, où est-ce qu'on fait le closed loop. HP, qui est un client chez nous depuis au moins plus de 20 ans, on prend les cartouches de fin de vie. Fait que quand vous prenez une cartouche qui est achetée chez HP, il y a même une enveloppe qui permet de reprendre le produit. Ça s'en vient chez nous. On fait toute la décontamination de ça. Et on remet ça en matière première qui fasse encore à fabriquer des cartouches partout dans le monde. Fait que ça donne des exemples assez concrets de la circularité. Très concret. Vous faites ça depuis quand même très longtemps. On est en existence depuis 1986, mais des clients comme HP, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont chez nous. Donc, la matière qui a été recyclée, ça fait plus de 10 fois que la matière vient chez nous pour être recyclée. Comme quoi, le recyclage plastique, là, il y en a certains des fois qui semblent le découvrir récemment, mais ça existe depuis très longtemps, mais ça se fait ici même à Montréal. Donc, merci beaucoup. Julie? Oui, et nous, Loop Mission, en fait, on sauve des aliments qui sont normalement rejetés, dépensés par l'industrie alimentaire. Donc, on a différents types de produits. L'économie circulaire, depuis le début, c'est la raison même de l'existence de notre entreprise. Donc, on a entre autres des jus, smoothies pressés à froid, faits à partir justement de toutes sortes de fruits et légumes qui auraient pris le chemin du site d'enfouissement pour différentes raisons, donc tout au long du cycle de vie. On a aussi des bières faites avec du pain rejeté. Donc, on prend le pain de la veille des boulangeries ou encore dans les épiceries, le pain est garanti. En fait, les boulangeries doivent reprendre le pain quand il arrive près de la date d'expiration. Donc, nous, juste avant, on intervient, on prend ce pain-là et on en fait de la bière. On a aussi du gin fait avec les retailles de patates de Yum Yum, la compagnie de chips. Donc, tous les petits côtés qui sont trop petits pour cuire en grosses chips parce que les consommateurs veulent des chips plus grosses, bien, c'est rejeté. Donc, c'est ce qu'on distille pour en faire du gin. Des sodas probiotiques aussi, faites avec des hydrolats, qui est un sous-produit de l'industrie des huiles essentielles. Et nous aussi, on a des rejets de production. Donc, on a entre autres de la pulpe résiduelle et des écorces d'agrumes. Donc, on explore aussi beaucoup de projets pour boucler la boucle avec nos propres rejets. Donc, on a des gâteries pour chiens avec la pulpe résiduelle, la fabrication de nos jus, des croûtes à pizza aussi. Et on a lancé récemment des biscuits qui faits à partir de 3 types de rejets différents. Donc, on s'est mis justement un défi de faire un aliment qui allait avoir le plus d'ingrédients revalorisés potentiellement. Donc, on a ce produit-là qui a 3 types d'ingrédients. Donc, on a la pulpe, de la fabrication de nos jus, la drèche, qui est les grains de la fabrication de notre bière, et on a aussi des écailles de chanvre déclassées d'une compagnie qui fait du chanvre ici au Québec. Donc, il n'y a pas de limite à notre modèle. Tous les aliments qui sont rejetés, on essaie de voir comment on peut les retransformer en quelque chose de nouveau. C'est assez multisectoriel, l'économie circulaire. C'est parce qu'une approche, je me tournerais peut-être vers Jocelyn. Justement, comment est-ce qu'on définit ça, l'économie circulaire à la Fondation Ellen MacArthur? Vous êtes quand même une sommité en la matière. Ben, je vous remercie et je suis d'abord très fâché de ne pas être parmi vous parce que j'ai un attachement et une tendresse particulière pour le Québec et Montréal en particulier. Je salue nos amis et évidemment, vous avez parlé de Daniel Normandin qui œuvre depuis de nombreuses années dans la recherche en économie circulaire et qui a été très, très important dans le développement de l'idée sur le continent nord-américain. On est ravis de travailler avec lui. On définit l'économie circulaire comme un modèle de développement qui crée de la valeur sans se fonder uniquement sur la la destruction et la consommation de matières premières finies. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une économie linéaire qui est l'héritage de la révolution industrielle, qui consiste à extraire, à fabriquer, puis à jeter en fin de vie, pour passer à un modèle dans lequel on va éliminer la notion même de déchets et de pollution à la base. On va conserver les matériaux et les produits au plus haut niveau de qualité dans l'économie le plus longtemps possible, et on va aussi régénérer les systèmes naturels. Et Julie en parlait très bien, tout ce qui est nutriments, tout ce qui est produits organiques n'a pas de statut de déchet. La nature ne connaît pas de statut de déchet, il y a toujours une utilisation de ces matériaux organiques en fin de vie pour créer d'autres produits, ce qu'on peut appeler de temps en temps l'upcycling, et qui s'applique tout à fait aussi à l'agroalimentaire. Donc on voit bien que cette idée, c'est de sortir de ce système qui est intrinsèquement consommateur, pollueur et gaspilleur de valeur, pour arriver à un système qui peut fonctionner sur le long terme et qui est également créateur d'emplois, d'innovation. Je vais en profiter pour vous faire un petit point. Je suis très désolé, mais tout mon plan de transport s'est complètement écroulé aujourd'hui. Je suis assis sur un trottoir à côté d'une gare, et il se peut que pour l'instant, vous entendiez passer un bus. Donc voilà, il faut être adaptable et transparent. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment et passer la parole à Oriana. Merci. Oriana, justement, sur l'économie circulaire, quel est le rôle un peu des communautés? À l'OCDE, vous accompagnez beaucoup les communautés, justement, dans l'implémentation de ces systèmes-là d'interdépendance, on va dire. Oui, bonjour. Tout d'abord, je suis hyper contente de participer à cette discussion. À Montréal, même virtuellement, on a travaillé beaucoup avec la ville déjà, et ce qu'a dit Valérie, en fait, c'est vraiment les sujets sur lesquels on a travaillé avec la ville de Montréal, cette approche systémique que aussi Joseph a mentionné, le fait qu'en fait l'économie circulaire, c'est un système économique, c'est parfois, vraiment, on pose l'accent et les focus sur les déchets, sur les impacts environnementaux. Oui, là, tout ça, c'est tout à fait partie du système, mais il faut changer vraiment la manière de promouvoir et aussi mettre en place l'économie dans une ville, que ça signifie que tout ce qu'il a à voir avec les transports, avec l'énergie, avec les services de l'eau, par exemple, tout ce qu'il a à voir avec les bâtiments, la construction, alors que vraiment la ville, c'est un écosystème, et il y a... Et l'économie circulaire, c'est un moyen, c'est pas en fait un fin lui-même, c'est un moyen pour l'utilisation de manière efficiente des ressources naturelles, des ressources artificielles. C'est pour ça que c'est hyper compliqué pour les villes de trouver des systèmes aussi de gouvernance qui soient capables de mettre en place ce système. Là, ça signifie que créer en fait des changements des systèmes de production, de consommation, ça signifie créer des collaborations avec les secteurs privés, les citoyens, alors que changer cette... Tu as parlé, Catherine, de transformation, en fait. C'était en transition, mais c'est une transformation. Et c'est pour ça que nous travaillons avec des gouvernements pour tout à fait comprendre quelles sont les dimensions de gouvernance qui peuvent aider cette transformation, en fait. Maintenant, on travaille avec plusieurs gouvernements en Europe, mais aussi dans les autres pays de l'OCDE. Et le but, c'est faciliter des dialogues avec plusieurs parties prenantes, plusieurs acteurs, parce que c'est pas que une initiative ou un objectif du gouvernement, mais c'est vraiment tout l'écosystème économique qui doit être impliqué dans cette transformation. Les défis de l'économie circulaire se passent beaucoup souvent par la logistique. Hein? Sécuriser le feedstock, je m'excuse, j'utilise un anglicisme, là, mais on comprend tous. Comment est-ce qu'on fait ça quand on est dans le recyclage plastique, quand c'est des systèmes qui sont souvent assez municipaux, justement? Comment ça s'est passé chez Lavergne? En fait, c'est probablement la plus grande challenge que tu veux quand on parle de recyclage, parce que la logistique, c'est la collection pour pouvoir récupérer. Dans certains cas, il y a des systèmes en place. Donc, au niveau de l'électronique, il y a le e-waste qu'on appelle, qui a quand même des systèmes installés en Amérique du Nord, en Europe, qui fonctionnent bien. La collecte sélective, on sait que présentement, ici, particulièrement, elle est en train de se renouveler, si on peut dire. Moderniser. Moderniser. Donc, nous, on est vraiment intéressés par le renouveau, si on peut dire, de ce qui va se passer, parce qu'on pense qu'on peut faire quelque chose. Donc, pour nous, ce qui a vraiment réussi à développer, c'est un modèle d'affaires où est-ce que nos fournisseurs, c'est des clients. On les traite comme des clients, donc c'est devenu très important. Moi, je dis souvent en anglais, « supply is king ». Si tu n'as pas de supply, tu ne peux pas faire la vente. Donc ça, c'est une chose qu'on a travaillé très, très fort au courant des années, qui fait en sorte qu'on a des ententes d'approvisionnement qui assurent en fait que quand on va faire affaire avec un Keurig ou un HP, qu'on ait la matière pour pouvoir les fournir. Parce qu'une fois qu'ils rouvrent la machine, on parlait tout à l'heure de circularité, puis on parlait aussi le côté linéaire. Le business est très linéaire. Oui. Nous, on est vraiment disruptif quand on arrive là-dedans, parce qu'on rentre dans une matière qui est fabriquée d'une façon recyclée. Donc, on doit récupérer. On doit rentrer dans la chaîne qui est normalement la chaîne conventionnelle et on s'en va dans un mode très collaboratif. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est fait. Puis aussi, on parle de le faire en transparence. Donc, c'est important parce qu'il y a beaucoup de greenwashing qui se passe dans notre industrie. Nous, on veut vraiment être transparent. On s'assure que les fournisseurs et les clients voient qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on peut s'assurer que la matière de fin de vie, c'est vraiment la matière de fin de vie et comment est-ce qu'on fait pour la transformer qui remplace la matière qui serait normalement creuser à travers le sol pour avoir du plastique. Donc, pour nous, je pense que c'est un modèle qui a été... la collecte est un modèle, est un défi qui va continuer à faire partie de notre façon de travailler, mais je pense que la créativité fait partie de notre ADN. Puis les modèles qui doivent changer vraiment un peu partout. Vous avez des installations. Je me tourne du côté de Julie. On a parlé de l'input, l'output maintenant. Comment est-ce que ça marche du côté du marché quand on arrive avec un produit? Est-ce qu'il y avait au début de vos opérations une perception différente? Bien, ça a été bien accueilli? L'industrie alimentaire n'est pas du tout adaptée à ce modèle-là, tant pour l'input que l'output. Au niveau des produits, par contre, c'était une de nos grandes craintes quand on a lancé le projet. On s'est dit, est-ce que les consommateurs vont comprendre? Parce qu'au final, quand on parle de marketing alimentaire, on parle toujours de la qualité des ingrédients, on parle toujours du côté très premium. C'est un ingrédient cueilli à flanc de montagne, à la main, même quand c'est absolument pas le cas. C'est de cette façon-là qu'on vend le produit. Donc, on avait cette crainte-là que les gens n'allaient pas embarquer, allaient trouver que c'est une initiative intéressante, mais n'allaient pas nécessairement vouloir consommer le produit. Mais c'est vraiment l'inverse qu'on a constaté, c'est que on s'est donné commission. On s'est dit, si les gens ne sont pas éduqués sur le sujet, on va se donner commission de le faire. On va les amener avec nous... dans cette aventure-là. C'est aussi pourquoi on a lancé une série, un Behind the Loop, qui montre tous les dessous, justement, de qu'est-ce qui se passe, le sauvetage des aliments, pour qu'ils comprennent que c'est des aliments super bons, parfaits pour la consommation, mais mis de côté pour des raisons qui étaient finalement, tu sais, souvent pas valables. Donc, on a eu une réponse extrêmement positive des consommateurs. Les gens comprennent, puis même que ça crée des ambassadeurs aussi avec notre marque, parce qu'à partir du moment où on vend plus qu'un produit, on vend une mission, puis que les gens comprennent que plus on vend de ce produit-là, plus on sauve des aliments, finalement, puis plus on empêche que ces aliments-là soient achetés ou envoyés au site d'enfouissement. À partir du moment où il y a cette relation-là qui se développe, on a eu vraiment une réponse super positive. Fait que le output, pour nous, c'était pas un enjeu du tout. C'est vraiment... c'est complexe au niveau des opérations de faire en sorte, et surtout l'industrie n'est pas adaptée pour apprendre des ingrédients avec différents niveaux de maturité. Il n'y a pas de constance. C'est correct quand on est un petit joueur, mais dès qu'on devient grand, c'est vraiment complexe puis ça fonctionne moins bien. Donc, c'est un peu en réponse à ça qu'on a récemment lancé une nouvelle branche ingrédients, en fait, qui s'appelle Loop Synergie, dans laquelle on veut faciliter l'utilisation des ingrédients revalorisés par les plus grands joueurs, parce qu'on réalisait que les gens nous contactaient, voulaient répliquer le modèle, voulaient prendre des ingrédients revalorisés, mais ils n'arrivaient pas à le faire, opérationnellement, logistiquement, justement, avec toute cette complexité-là. Donc, on s'est dit qu'on allait être l'intermédiaire qui allait transformer les rejets alimentaires en ingrédients stables, facilement utilisables par n'importe quel transformateur alimentaire. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Donc, on va, par exemple, créer une purée de fraises qu'une compagnie de yogourt pourrait substituer sa purée de fraises actuellement pour mettre une purée de fraises revalorisée. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de développer pour justement, parce qu'il manque cet intermédiaire-là qui les transforme. Puis, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas demander à un Kraft, à un Delmonte, à un Dole de faire ça parce que c'est tellement complexe puis leurs opérations ne sont pas faites pour ça. Donc, ça prend cet intermédiaire. C'est quoi la prochaine limite, l'emballage? L'emballage, oh, je peux en parler longtemps de l'emballage, mais l'emballage est vraiment, ouais, extrêmement un grand défi. Et je pense que le plus grand défi vient de deux éléments. Premièrement, la compétition, en fait. Le fait que l'emballage est devenu, l'éco-responsabilité de notre emballage est devenue un élément qui nous différencie des autres marques. Donc, parfois, il y a des technologies qui sortent, il y a des matières qui sortent, mais sont réservées par les plus grands joueurs qui achètent carrément la technologie, achètent le monopole de cette chose-là. Alors qu'on devrait collaborer. Tu sais, l'économie circulaire passe par la collaboration. Donc ça, c'est un grand défi. Le deuxième grand défi, c'est parce que le consommateur n'emmène pas l'industrie dans la bonne direction. Ce que les gens pensent qu'est un emballage éco-responsable ne l'est pas. Beaucoup d'emballages, en fait, je trouve qu'on est allé dans la mauvaise direction dans les dernières années. Beaucoup d'emballages qui sont sur le marché sont moins éco-responsables que ceux qui étaient il y a 10 ans. Il y a énormément, je pense entre autres au plastique compostable, au verre versus plastique intéressant comme le PET. Il y a tellement d'éléments qu'on pourrait discuter par rapport à ça, mais je trouve que le consommateur amène l'industrie à prendre les mauvais choix en termes d'emballage. Puis ça, c'est un grand défi parce que ceux qui font les bonnes décisions se font souvent attaquer. Ouais. Oriana, on est un peu... bon, vous êtes, comme vous l'avez dit, sollicité constamment par les villes, entre autres, pour améliorer l'indice de circularité. Qui réussit? Parce que là, ici, on a deux exemples où, encore une fois, c'est une question de réseau. La ville est quand même au centre de ces réseaux-là. Des exemples là, qui fonctionnent bien dans le monde, que vous avez... qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces villes-là? Alors, merci pour la question. Déjà, il y a différents niveaux de développement des transitions vers l'économie circulaire, mais je ne peux pas identifier un modèle de ville où il y a une économie circulaire 100%. Là, ça n'existe pas aujourd'hui, mais quand même, il y a beaucoup de villes qui font une programmation de long terme, par exemple à travers des feuilles de route, des stratégies d'économie circulaire, qui déjà, ils sont hyper utiles parce qu'ils établissent des objectifs, des activités, des termes de collaboration avec plusieurs acteurs. Ils servent surtout aussi pour faire beaucoup de raising awareness, pour identifier quels sont les rôles des parties prenantes dans cette transition. En Europe, par exemple, il y a plusieurs villes qui ont déjà développé cette type de stratégie de faire des routes. Je parle par exemple de Paris, d'Amsterdam, de Londres, mais aussi des villes un peu plus petites, comme par exemple Valladolid en Espagne, Groningen aux Pays-Bas, qui ils ont déjà fait beaucoup d'efforts vers l'économie circulaire. Mais dans une étude qu'on a développée entre 52 villes et régions, 53% des villes et des régions qui ont répondu à l'enquête et qui ont travaillé avec nous sont des newcomers. Ils ont des villes et des régions qui commencent maintenant à identifier quelles sont les opportunités de l'économie circulaire. Alors qu'il y a des cas de succès, par exemple des projets qui sont menés surtout dans le secteur de la construction, dans l'alimentation. Il fait par exemple des courtes, tu as mentionné la logistique, c'est vrai, il y a beaucoup à voir avec la logistique, le repurposing, reusing. Il y a beaucoup d'exemples, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de barrières, beaucoup de défis, surtout sur trois sujets, en particulier le premier, c'est l'échelle, parce que dans différentes villes, il y a des projets pilotes d'expérimentation, mais il n'arrive pas à avoir les niveaux de la ville métropolitaine et aussi à aller au-delà de la ville, par exemple à l'échelle régionale, parce que c'est là, ça dépend de l'échelle, les impacts que l'économie circulaire, tous ces projets qui sont installés dans un concept plus large d'économie circulaire peut obtenir. Le deuxième défi, c'est les silos, les problèmes qu'il y a beaucoup de focus toujours sur les déchets, et il y a toujours la nécessité d'identifier quelles sont les étapes pour réduire la pollution, la contamination à la base, augmenter l'efficience des ressources et après voir comment transformer les déchets. Mais cette approche systémique, je pense il y a toujours beaucoup à faire. Et le troisième, peut-être sur les skills, parce qu'il y a vraiment besoin de développer des capacités, par exemple dans le secteur de l'éco-design, dans le secteur de la utilisation de la numérisation ou par exemple de la financiation. Il y a beaucoup de capacités à développer dans ces sens-là. L'innovation, le rôle de l'innovation dans tout ça, quel est-il et comment la Fondation Ellen MacArthur intervient pour soutenir justement le développement de cette économie circulaire? Ben alors principalement, nous, on va faire de l'accompagnement d'entreprises pas jusqu'à une mission de conseil, mais vraiment faire de la sensibilisation, de la formation et de la montée en gamme des employés des entreprises afin de les sensibiliser à cette notion justement de comment est-ce qu'on intervient en amont, quels sont les modèles d'affaires qui sont les plus appropriés. Et je reviens sur ce que disait Oriana tout à l'heure, le fait d'avoir un choix précis en amont des matériaux, de savoir ce qu'on met sur le marché de manière à pouvoir les cycler, parce qu'il ne rime à rien de continuer à cycler la toxicité. Il faut faire des choix très, très précis en ce qui concerne les gisements, à la fois en termes de volume et en termes de nature. Donc on va essayer, nous, de regarder pour chaque secteur, et on se spécialise évidemment dans le plastique, les textiles et l'agroalimentaire. On va regarder pour chaque secteur et pour chaque entreprise quelles sont un petit peu les grandes pistes de développement, quelle est leur problématique, où sont les leviers et les points d'action les plus évidents en fonction de leur marché spécifique. Mais il faut aussi parler de l'importance à la fois de la recherche et développement, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on a tous les matériaux à l'heure actuelle qui sont compatibles avec la circularité. Il y a des choses qu'il faut simplement évacuer du système parce que leur toxicité inhérente fait qu'on ne peut pas les cycler. On n'a pas encore tous les matériaux compostables, on n'a pas encore tous les matériaux qui se prêtent réellement à plusieurs cycles de vie, on n'a pas le design non plus, donc on intervient énormément sur ces questions de design, de durabilité, de réparabilité. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que toutes ces activités-là sont encadrées par un système réglementaire, un système fiscal, et que l'économie existe dans un certain nombre de règles. Et à l'heure actuelle, force est de constater que les règles favorisent le modèle linéaire. Elles ont été créées par le modèle linéaire et elles le renforcent. Le simple fait que l'utilisation irraisonnée des ressources ne soit pas fiscalement rendue un petit peu plus difficile, par exemple, c'est un souci. Le fait, et on va parler du plastique, et M. Lavergne en a parlé, Julie en a parlé au niveau de l'emballage, le fait que le plastique recyclé soit considérablement plus cher que le plastique vierge est un problème qui incite à continuer dans cette linéarité et à épuiser les ressources. Donc il faut poser la double problématique à la fois de l'innovation et de l'opportunité économique qui est totalement réelle et qui est absolument incontestable, et on a produit toute l'analyse économique pour le prouver depuis une dizaine d'années. Le fait également que de manière à ce qu'on arrive à des grands effets d'échelle et que la transition soit réellement efficace et qu'elle ait un impact mondial, ça prend en compte la politique fiscale, ça prend en compte les politiques d'éducation, ça prend en compte les questions de commerce international à l'OMC notamment, et des accords internationaux sur la gestion de certains matériaux problématiques, comme on l'a vu à l'Assemblée environnement des Nations Unies en février, avec l'adoption de la résolution pour commencer les négociations en vue d'un traité contraignant sur l'utilisation des plastiques à l'horizon 2025. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'à l'interface entre le secteur public et le secteur privé, c'est là où se trouvent réellement les leviers du changement. Et évidemment, l'accompagnement des entreprises qui réagissent plus vite, qui sont porteuses d'innovation. Et on a parlé aussi des villes. Je rappellerai que Paris, par exemple, a eu une feuille de route économie circulaire 3 ans avant que la France adopte la feuille de route nationale. Donc, il y a aussi cette agilité, cette capacité à bouger vite qui est très, très importante au niveau des municipalités. Donc, le rôle de la réglementation qui permet à la fois la cohérence entre les politiques fiscales, les politiques réglementaires, parce que ça prend aussi la création de marchés pour pouvoir voir ces innovations-là. Je comprends que c'est extrêmement important. Parlons de traçabilité maintenant. Comment est-ce qu'on adresse, ça me semble être une limite, une frontière parfois infranchissable dans certains secteurs? Ben, on a beaucoup parlé de la notion de passeport produit et du fait que les technologies actuelles nous permettent effectivement d'associer au produit énormément d'informations à la fois sur sa composition, sur ses capacités à être soit démantelées, soit recyclées, soit envoyées vers les bons circuits de réutilisation, parce que le principe de précaution fait que si on ne sait pas ce qu'il y a dans un tas de matériaux, on va le traiter comme un déchet, et un déchet probablement potentiellement dangereux. Là, avec ces questions de passeport produit, et l'Union européenne a été très en pointe sur ces questions-là et continue à travailler sur ce qu'ils appellent le data space pour l'économie circulaire, associé par le biais de technologies, que ce soit RFID ou que ce soit d'autres technologies pour les objets un peu plus volumineux. Une fiche d'identité produit, pourquoi pas penser à mettre des instructions sur la réutilisation, le remanufacturing, ou tout simplement pour certaines petites pièces qui sont très, très, très agaçantes quand elles pètent, pourquoi pas associer un fichier qu'on pourrait rentrer dans une imprimante 3D pour refaire cette petite pièce dans un atelier de quartier plutôt que d'aller chez le réparateur et qu'on vous dise ah, on n'a pas la pièce disponible, il faut changer toute la machine. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. C'est à la fois la traçabilité et l'information. Évidemment, la traçabilité dans le sens où il faut connaître l'origine, il faut être sûr que la chaîne d'approvisionnement travaille avec des process qui sont compatibles avec l'économie circulaire et que par effet de vague, on arrive à faire des chaînes d'approvisionnement à la fois sur le territoire mais aussi à l'étranger qui soient plus propre, plus responsable, plus compatible avec une circularité mondiale. Est-ce que le secteur privé en fait assez? Puis là, évidemment, je pose la question au secteur privé en partie, mais Oriana, Jocelyn, est-ce que c'est pas le rôle de ces producteurs-là, parfois, justement, de matières résiduelles, d'en faire un peu plus? Alors moi, comme j'évoquais avant, je pense, oui, que le secteur privé, il a un rôle hyper important à jouer dans la transition vers l'économie circulaire, comme aussi les citoyennes et des autres parties prenantes. Mais l'économie circulaire, c'est une responsabilité partagée entre les acteurs. Et comme a dit Joss, les systèmes économiques, ça trouve dans un système de gouvernance réglementaire que doit être adapté pour quoi les secteurs privés puissent avancer vers l'économie circulaire. Alors que, par exemple, nous, dans ce programme sur l'économie circulaire dans les villes et les régions, parce qu'en fait, nous travaillons beaucoup avec cette ville, cette région qui peut bouger un peu plus vite des gouvernements nationaux. Et on a identifié 3 dimensions importantes pour que les villes et les régions puissent créer des conditions pour le secteur privé pour avancer vers l'économie circulaire, alors que les villes, par exemple, peuvent être des promoteurs de l'économie circulaire en fournissant des informations claires et en établissant des objectifs précis en matière d'économie circulaire. J'ai mentionné des feuilles de route, des stratégies, mais aussi de clarifier qui fait quoi. Dans cette étude, on a plusieurs fois vérifié que les acteurs privés ne savent pas à qui poser des questions sur la réglementation, sur des opportunités de financiation, parce qu'en fait, dans les administrations, là, c'est pas tout à fait clair qui fait quoi. Le deuxième rôle, c'est un rôle de facilitateur. Les villes et les régions peuvent faciliter les liens et les dialogues entre les différents acteurs, mais aussi fournir des infrastructures matérielles et immatérielles pour les entreprises circulaires, par exemple à travers la coordination, à travers la mise en place d'une gouvernance multiniveau efficace, mais aussi à travers l'engagement des parties prenantes et, comme je mentionnais aussi, la mise en œuvre à l'échelle appropriée de différentes initiatives. Et comme ça, il y a la possibilité de développer plutôt une approche fonctionnelle à l'économie circulaire et relation à la typologie des matériaux, à la typologie des déchets, à la typologie des collaborations. Et après, comme troisième levier, les villes peuvent être catalysateurs. Là, c'est hyper important parce que ça s'agit d'adapter la réglementation, les financements, renforcer les capacités, soutenir le développement de l'innovation, mais aussi développer des données et des évaluations. Parce que là, il y a un gros défi aussi, c'est la capacité de mesurer en fait les progrès et les impacts de l'économie circulaire. Plusieurs fois, les policymakers ne voient pas cet impact parce qu'il y a la difficulté à mesurer les impacts en termes économiques, sociaux et environnementaux. Merci. Jean-Luc, vous faisiez de la circularité avant même que le mot existe, je pense, finalement. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de ça dans le temps? Puis c'est quoi les freins pour vous en ce moment? En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est quand on parle de recyclage, on a aussi, surtout dans le plastique, connotation à un produit de deuxième ordre, troisième ordre. Oui. Et puis, tout à l'heure, comme j'en disais aussi, les prix sont souvent plus chers. C'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup de mythes ou de fausses représentations qui se passent. Nous, en fait, ce que je trouve intéressant de ce que j'ai vu dans le domaine de la voiture électrique, pas pour le nommer, mais M. Musk a quand même changé l'industrie. Et puis, il n'a pas inventé la voiture électrique. On est dans une situation similaire dans le domaine des plastiques. Si on regarde les usines pétrochimiques, les producteurs de résine, beaucoup de pressions sont sur eux autres aujourd'hui à cause des médias sociaux. Les consommateurs sont plus informés. Donc, il y a cette pression-là et, naturellement, on amène toutes sortes de technologies potentielles qui pourraient voir le jour. Nous, ce qui est drôle aujourd'hui, ce qui est quand même prend forme, c'est que nous, on était quand même très en avant de la parade, dans les années 80 pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, mais on a beaucoup d'applications qui sont commerciales avec des clients qui sont chez nous depuis plusieurs années. Un des avantages qu'on a, c'est que ces clients-là parlent à d'autres clients. Souvent, ils ne sont pas dans le même secteur, c'est que ça a fonctionné. Donc, nous, c'est le modèle qui se répète. La dysfonction de la façon de travailler linéaire par rapport à circulaire, c'est très collaboratif. Donc, on n'est pas dans un mode transactionnel, on est dans un mode collaboratif. Ça change beaucoup la façon de faire les affaires. Et par contre, plus qu'on a d'applications qui sont devenues commerciales avec des grands donneurs d'ordre qui sont là aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous aide. Par contre, il y a des early adapters qui font en sorte que ça a fonctionné. Il y en a des compagnies qui sont vraiment qui ont une pression pour ça. Mais souvent, on voit que s'il n'y a pas de pression de soit de législation ou des choses de loi mises en place, ça va être quelque chose qui va être mis de côté. On parle de ce qui se passe en Europe. Présentement, ils ont des taxes sur de la matière vierge, des choses qui sont vraiment une pression pour faire en sorte que la matière recyclée va être utilisée. Et il y a aussi le fait que, il faut aussi se dire que les technologies ont continué d'évoluer. Oui. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux que ce qu'on a fait hier, puisque ce qu'on va faire demain, c'est mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que nous, on n'arrête pas d'investir dans l'innovation. Donc, c'est un peu la course pour réussir à faire ce qu'on fait là. Parce qu'en bout de ligne, nous, on trouve qu'il y a assez de plastique de fin de vie sur la planète qu'on n'aurait pas besoin de prendre de la matière vierge pour faire de la matière pour nos clients. Non. Et la circularité, nous, on le fait. Là. Le plastique, on répare les chaînes moléculaires, on fait des choses au plastique qui font en sorte que les clients sont capables d'aller dans des applications de très haut ordre. Et puis, on a un volet aussi qu'on a développé qui va prendre forme au courant de l'année, vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, où est-ce qu'on va traiter les plastiques orphelins qui vont s'en aller dans une application qui va faire en sorte que des plastiques qui sont très difficiles, des thermoplastiques qui sont très difficiles à recycler. Oui. On a aussi amené une autre technologie qui va nous permettre de pouvoir utiliser ces matières-là. Comment ça se fait, ça, financer ces innovations-là? Parce qu'on est dans des, on est dans l'industriel, parfois des investisseurs qui comprennent mal le challenge du scale-up industriel aussi. Ça ressemble à quoi? On est en plein là-dedans présentement. On est en pleine croissance, donc c'est sûr que tout ce qu'on a fait présentement, c'est dans un contexte conventionnel. Mais on regarde présentement comme l'usine qu'on vient de voir, qui vient de voir le jour en Belgique. Pour nous, c'est une première, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il faut investir, donc il faut trouver des sous. Ça, c'est un défi qu'on doit tout le temps travailler comme entreprise. Mmh. Je pense pas que je suis la seule entreprise à faire des recherches pour avoir des financements nécessaires. Mais nous, ce qui nous permet de... Je vous le confirme. Vous n'êtes pas seul. nous, ce qui est quand même fonctionnel aujourd'hui, qui fonctionne bien, c'est qu'on a vraiment des activités commerciales qui permet aux financiers de dire « Ah, ben oui, ce que tu fais, c'est vrai, ça marche. Oui. » Donc, c'est un petit avantage qu'on a. Oui, tout à fait. Chez Loop, c'est quoi la prochaine barrière là, à adresser? Ben, c'est vraiment au niveau des emballages aussi. Là. Nous, c'est la prochaine bête qu'on attaque, comme je disais tantôt, parce que justement, on veut éduquer davantage sur ce sujet-là. Je pense que ça doit absolument passer aussi par comme, des changements au niveau... En fait, il doit y avoir des changements aussi significatifs en termes de pourquoi l'emballage devient autant quelque chose qui nous différencie. On le veut différent, on veut un plastique qui est vert, un plastique qui est noir. Tout ça crée énormément de difficultés au niveau des centres de tri. C'est difficile où on veut une étiquette de telle façon. Fait que je pense qu'on doit vraiment s'assurer qu'il y ait aussi des cadres autour de... Par exemple, OK, vous faites du jus, peu importe quel jus vous faites, c'est tel type d'emballage. C'est un peu comme on voit dans l'industrie de la bière. Je pense que ce modèle-là doit être répliqué dans plusieurs produits. Je pense qu'on peut se différencier de d'autres manières que la forme d'une bouteille, la couleur d'une bouteille, le type d'étiquette qu'on prend. On peut mettre ce qu'on veut par la suite sur l'étiquette, mais on veut vraiment s'assurer d'embarquer d'autres joueurs dans ce modèle-là. On veut faire de la collaboration entre les entreprises pour justement qu'on s'associe. C'est ce qui rend en fait la circularité des plastiques plus accessible. C'est à partir du moment où les gens vont s'associer puis vont décider de « OK, on se met tous ensemble puis c'est ce type de bouteille-là qu'on utilise. » Fait que je pense qu'il y a énormément de défis. Il y a beaucoup de défis, comme je disais tantôt, de communication auprès des consommateurs pour qu'ils comprennent bien. Et je pense aussi qu'il doit y avoir plus de plateformes pour s'assurer que les gens savent qu'est-ce que les autres entreprises ont comme rejet, au niveau des emballages, mais au niveau aussi même des matières premières. Moi, je vois énormément de volonté de la part des industries, de la part du secteur privé de mettre en place de l'économie circulaire dans leurs activités, mais c'est complexe et on ne sait pas qu'est-ce que les autres rejettent. Les entreprises ne veulent pas dévoiler, en fait, leurs pertes, puis ça, je crois que c'est un problème. Donc, les gens nous le disent sous NDA, puis ils sont comme « OK, puis vous nous aider », mais je pense qu'au final, on devrait tous ensemble, il devrait y avoir une banque de données de qu'est-ce que chaque entreprise génère ou même offre comme produit. Nous, juste avant le panel, on se parlait, puis on était comme, OK, vous exportez des plastiques, nous, on importe des plastiques. Bon, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Mais je pense que c'est ce qui manque un peu. Il y a comme un disconnect entre qu'est-ce que l'industrie ici génère qu'on peut utiliser, nous, les manufacturiers, mais aussi qu'est-ce qu'on a comme rejet qu'une autre entreprise peut utiliser. Il n'y a pas d'endroit où on collecte ces informations-là, où si moi, je veux développer quelque chose, je peux voir qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. Donc ça, j'aimerais justement travailler avec différentes instances gouvernementales pour mettre en place ce genre de programme-là, parce que c'est ce qui... Nous, ça va nous aider. Puis je pense que ça va aider plusieurs autres entreprises. Puis l'étiquetage, est-ce que c'est par là que devrait passer l'éducation justement aux clients? Je pense qu'il y a plusieurs clients qui parfois sont à la recherche justement. Ils veulent faire mieux, choisir la bonne option finalement comme produit, mais ils ne savent pas. Est-ce que c'est important? C'est certain que oui, mais il y a aussi une limite à qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'étiquetage et c'est tellement différent d'une municipalité à l'autre. Donc ça complexifie pour nous, par exemple, on vend des produits nationalement. Donc c'est très complexe d'avoir sur notre étiquette un message ou une façon de recycler ou de revaloriser notre emballage, par exemple, qui va s'appliquer à l'échelle nationale. Donc ça, idéalement, ça prend aussi une certaine conciliation ou une façon aussi qu'on puisse arrimer à avoir peut-être un site commun où on pourrait, par exemple, avoir un QR code qui est redevenu à la mode pendant la pandémie, où on pourrait voir justement pour chaque municipalité quelles sont les règles. T'sais, les gens veulent savoir maintenant, mais c'est assez complexe à mettre ça sur... C'est assurément, il faut plus de communication sur comment disposer de l'emballage, mais aussi, il faut s'assurer que ça fonctionne partout. Donc, ça prend encore une fois une concertation à travers tout le monde là, dans le milieu. Comment on doit régler, on a parlé du prix, hein, finalement, les matières recyclées coûtent plus cher, donc le citoyen, en tout cas la perception, c'est ça encore. Plus cher. Le type de recyclage, après ça, va, tu sais, il y a beaucoup de demandes pour le grade alimentaire dans le plastique recyclé. Comment on le règle, cet enjeu-là? En fait, pour revenir au prix, pour être clair là-dessus, oui. C'est que le prix de la matière première varie. La matière vierge première varie. Présentement, la matière vierge est tellement chère que la matière recyclée est normalement moins chère. Par contre, je vais mettre une bémol là-dessus, il y a certains polymères aujourd'hui, parce que la demande, elle est plus forte que ce qui est collecté, qui fait en sorte qu'il y a une surenchère là-dessus. Donc ça, c'est... Certains types, si on est pointus. Par contre, si on regarde sur la côté de long terme, les prix fluctuent beaucoup. Normalement, dans le côté recyclage, c'est plus stable. Donc, tu amènes un niveau de stabilité. Et c'est sûr et certain, quand le prix de la matière baisse, les résines vierges baissent drastiquement. Fait que ça, c'est un volet qui est quand même important à comprendre. Pour en revenir avec ce qu'on disait au niveau de l'étiquetage et tout ce qui est là-dessus, c'est important aussi de dire que là on est, tout à l'heure, tu l'as dit, on n'est pas en transition, on est en transformation. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'ils fonctionnaient, qui ne fonctionneront plus. Donc, la transformation, l'information, l'éducation, je pense que ça va de mise. C'est important, les consommateurs veulent le savoir. Moi, je pense que comme consommateur, on veut tout bien faire. Il s'agit d'éduquer les gens là-dessus, de comprendre que des choses peut-être qui étaient faites anciennement, qu'on ne peut plus faire ça comme ça. Donc, il y a ce volet-là. Mais je sais que c'est quand même un gros challenge, mais je suis un optimiste de nature. Je pense qu'on va réussir à y arriver. Il y a de la complexité pour les initiés. Imaginez pour ceux qui ne sont pas des initiés à la Fondation Ellen MacArthur. Est-ce que c'est pour vous, c'est un défi? Et comment on l'adresse, ce défi-là d'éducation? Ah oui, tout est un défi dans la mesure où, effectivement, c'est fragmenté. On est sur des modèles qui perdurent et les écoles de commerce apprennent le commerce linéaire. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de chimie sont principalement axées sur la pétrochimie. Je pense que ce que M. Lavergne a dit est très important, cette notion de matière première. On ne peut pas simplement dire la matière première recyclée est plus cher. Tout dépend des conditions, tout dépend de quel gisement on parle. Mais effectivement, les fluctuations sont très importantes. Au moment où le pétrole était à 50 $ le baril, effectivement, il n'y avait même pas de compétition. Tout ça, c'est indexé sur quand même des cours de matières premières finies, dont les stocks sont limités. Et c'est quand même tout à fait étonnant qu'on continue à se fonder là-dessus pour faire à la fois des politiques de prix, des politiques fiscales, alors qu'effectivement, le recyclage et les boucles fermées permettent d'apporter de la stabilité et de la visibilité sur le long terme, ce dont les entreprises ont besoin. Ça, c'est très important à comprendre. Deuxièmement, sur le volet information versus éducation. Information, oui, on en a parlé, composition des produits, etc. Là où je suis un peu plus nuancé, c'est sur la question de l'éducation du consommateur. S'il n'y avait sur le marché que des choix vertueux et que des bons choix, on ne serait pas obligé de dire on va éduquer le consommateur pour pas qu'il se trompe. C'est quand même un petit peu vexant d'être obligé de dire ah oui, mais bon, il faut que le consommateur fasse les bons choix, vous comprenez, sinon moi je peux rien y faire, je mets sur le marché ce qu'on me demande. Non, il y a un moment où si la solution est mauvaise, elle ne devrait pas avoir accès au marché et on devrait inciter fiscalement les solutions vertueuses qui sont économes morceaux et qui ont un impact environnemental le plus limité. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est toute la question de l'analyse cycle de vie totale du produit, là, de la consommation à la disposition, dans ce cas-là, qui serait réinjectée dans le système. Oui, bien sûr. Et alors ça, évidemment, c'est des questions qui sont à la fois importantes pour les metteurs en marché, pour les gens qui vont tout simplement mettre en vente leurs solutions et les produits. D'ailleurs, il n'y a pas que les produits qui doivent être circulaires, les systèmes aussi. On peut mettre un produit extrêmement vertueux sur le marché. Si on n'a pas la boucle de collecte ou la logistique inverse, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est l'éducation à la fois des concepteurs, à la fois des ingénieurs, des chimistes, des gens qui s'occupent des modèles d'affaires, des législateurs, tout ça doit être dirigé vers un but précis, une destination qui est une économie circulaire, vertueuse, qui peut fonctionner à long terme. Et tous les choix qui conduisent à ça, et Dieu sait s'ils sont nombreux, doivent être privilégiés à la fois dans l'éducation, autant au sens purement écolier, lycéen, universitaire du terme, mais aussi en formation continue dans l'entreprise, et dans les gouvernements d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, on voit aussi que la question de l'économie circulaire est très majoritairement la propriété et la chasse gardée des ministères de l'Environnement, ce qui est absolument pas constructif dans la mesure où c'est un système de développement économique. Ça devrait être une priorité de l'économie et des finances également. Peut-être en terminant, il nous reste quelques minutes seulement, Oriana, mais qu'est-ce qu'on fait? Jean-Luc a des installations en Haïti. Qu'est-ce qu'on fait avec les pays en développement? Comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on a un rôle comme société développée aussi? Déjà, il y a plusieurs networking qui s'occupent je dirais, de promouvoir un dialogue, un échange aussi d'espérance. Mais quand même, l'économie circulaire, vraiment, ça dépend d'un système économique. C'est vraiment place-based, alors qu'on ne peut pas simplement prendre des initiatives ou des exemples qui ont fonctionné dans un contexte et les implémenter dans les autres. Alors que c'est vraiment une question de réglementation, de dialogue, de collaboration, mais aussi d'échange d'informations. Moi, je pense qu'il y a aussi dans les villes, pour ajouter à ce qui c'était déjà mentionné sur les rôles des producteurs et des consommateurs, à niveau des villes, il y a beaucoup des opportunités et des potentiels aussi de changer la manière de gérer les services. Par exemple, sur la base des service-based initiatives, mais aussi des sharing, de repurposing, de redistributing, il y a beaucoup de business models qui peuvent fonctionner, qui fonctionnent dans certaines villes, dans certains contextes, il faut vraiment beaucoup plus l'exploiter. Parce que c'est ça, c'est pas qu'un système de production, mais c'est vraiment la manière dans laquelle les services sont gérés et la ville gère les activités économiques et sociales dans ce propre territoire. Mmh. Une meilleure interdépendance, incluant le rôle super important de la ville dans le secteur qui nous concerne. Merci beaucoup à vous quatre. On se souhaite tous justement une accélération de ces systèmes-là parce que je pense qu'on est rendu là comme société, mais surtout qu'on a de moins en moins le temps d'explorer. Là, il faut passer à l'étape un petit peu plus scale-up de ces modèles-là qui existent puis qui roulent depuis de nombreuses années. Merci beaucoup à vous.